C'est la dernière prière, c'est dans le cœur que le lion de la tribu de Judas habite. Il habite dans ton cœur, le lion de la tribu de Judas, la force royale, la force de la sainteté. Alléluia, réponds-moi, Christ de Dieu, je demande la force du lion de la tribu de Judas, c'est le Jésus, Christ de Dieu, c'est le démoqué, la force qui sanctifie, la force qui ôte le péché. Alléluia, qui donne le nouveau cœur, qui donne le cœur, la force qui rejette, la force éternelle. Alléluia, alléluia, la force qui baptise du Saint-Esprit, c'est la puissance de Jésus. Prends ma soeur, le cœur doit être fort. La force vient du cœur pour résister. Tant esprit de merveille, tant esprit de faiblesse, tant esprit de lassitude, tant esprit qui recueille, tant esprit de rétrograde, tant esprit qui se refroidit, c'est l'un des prières. La force qui croit, la force qui avance, la force croissante. La force croissante, au nom tout-puissant. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, Jésus a vaincu Satan, il a vaincu le mauvais cœur, il a vaincu le cœur de la faiblesse, il a vaincu le cœur du mensonge, il a vaincu le cœur de l'hypocrisie, il a vaincu le cœur des mauvaises pensées, il a vaincu le cœur de l'idolâtrie, il a vaincu le cœur là qui murmure, il a vaincu le cœur de la crainte, il avance magistralement vers la victoire. Alléluia, les poids la porte, les poids la porte, la puissance du Saint-Esprit va t'agiter, va t'agiter, le Saint-Esprit va te saisir. Alléluia, oui, ma soeur, oui, mon frère, les ministères ne pourront rien contre toi, le Saint-Esprit va te saisir, les liens vont se briser, mon frère, ta force c'est dans ton cœur, ma soeur, ta force c'est dans ton cœur, c'est là-bas où il vient, le fort, le top puissant, c'est là-bas que la prière commence, c'est là-bas que la louange commence, c'est là-bas que la prédication commence, c'est là-bas que toute chose commence, ça commence dans le cœur, ça commence dans le cœur. Mon cœur, ma soeur, la vie éternelle commence dans le cœur. Oui, c'est là-bas la source de la force du chrétien. À toi la gloire, à toi la gloire, au nom de Jésus. Oh, alléluia, oh, alléluia, oh, alléluia, au nom tout-puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, alléluia, amen. On baisse les micros, on baisse les micros. C'est dans ton cœur que la force commence. C'est dans le cœur que tout commence. Alléluia, la louange, la prédication, la révélation, les dons que tu fais, tout ce que l'homme de Dieu fait, ça commence dans son cœur. Alléluia, c'est dans le cœur que je vais servir Dieu. Je ne vais rien faire qui ne vienne de mon cœur. Ma force vient du cœur. Alléluia, mon frère, ta force, ça vient de ton cœur. Alléluia, tu ne gardes rien n'est dans ton cœur. Tu es fort, tu avances, Jésus vient dans le cœur. Tu es là, ne chantez pas au cœur de Noé. Et c'est toi à qui nous offrons des œuvres. Et tu es là au cœur de Noé. Oh, alléluia, Jésus t'attend dans l'obéissance. Alléluia, tu es en retard dans la croissance spirituelle. Aujourd'hui, on jette un coup d'œil dans la force qui croit, c'est-à-dire que, qui avance, croître dans la force de Christ pour vaincre l'antéchrist qui te poursuit. Amen. Gloire à Dieu, il veut te rattraper. Jésus t'a donné l'avance lorsque tu as créé. Maintenant, l'antéchrist te suit. Voilà, donc tu dois garder la distance par la croissance que Dieu t'a donné. Il y a une loi dans la croissance que tu dois connaître. Quand on dit que quelqu'un est ton grand frère, tu ne le rattraperas jamais en âge. Amen. Aussi longtemps qu'il sera en vie. C'est la loi de l'avantage et du premier-né sur celui qui le souhaite. Donc Jésus est le premier-né de toute la création et c'est la vie là que tu as, la vie de sainteté. Donc il a vaincu le diable. Il a relégué le diable en de
deuxième position. Donc on ne lui donne pas à Jésus la deuxième position, on lui donne la première position. Et il vit dans le cœur. Donc le cœur doit avoir la première place. Amen. Dans ta vie, plus que ta pensée, plus que tes raisonnements, plus que ce que tu fais, plus que ton activité, plus que ce que tu vois, la force, la genèse de ta rédemption vient du cœur. Donc c'est très clair, la croissance, la loi du premier-né, il y a une distance entre le fils aîné et le fils cadet. Donc le Seigneur t'appelle, il a pris le contrôle dans le monde, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, il a pris le contrôle dans le séjour des morts, il a pris le contrôle dans le ciel, il a pris le contrôle sur la terre, dans la mer, il a fait de toi le premier-né. Donc tu es devant, le Seigneur te dit que le diable marche contre toi et il faut que tu obéisses et que tu gardes l'écart qui te sépare de l'ennemi. Amen. Très clair. Si tu rattrapes, tu vas tomber. Donc à toi maintenant, à grandir dans la connaissance de Christ, à croître avec la force qui t'a donnée. Croître, ça veut dire qu'avancer, progresser, ne pas t'arrêter parce que les ténèbres te suivent. Très clair. Et si les ténèbres t'arrêtent, tu es fini. Il y a un frère qu'on appelle, j'ai oublié son nom, Férouzé, voilà, que j'ai rencontré ici là au Canada. Il m'avait raconté un témoignage qu'il allait voir sa mère quelque part dans la frontière du Congo. Et puis voilà, et puis là-bas il est tombé sur un champ de mine, et puis la mine l'a explosé et il est monté, et puis la mine a coupé son pied et il est mort. Il est sorti de son corps. Quand il est sorti de son corps, il avait un chemin. Et avant de sortir de son corps, quand il était en haut dans la boule de feu, il a crié, Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Il est miséricordieux, mon frère. Alléluia. Oh, le Fils de Dieu, tu perds le temps dans le monde, à la gauche, à droite. Il dit que quand il a crié, Seigneur Jésus-Christ, me voici qui vient à toi, reçois mon esprit. Il dit que la boule de feu, c'était une grenade qui avait explosé, parce que je crois que c'était entre la frontière, je ne sais pas si l'Angola est frontalier avec... c'était le Congo, en tout cas une des frontières du Congo. Et puis maintenant, la boule a explosé. Et quand la boule a explosé, je crois que c'était l'Angola. Je ne suis pas sûr, la frontière de l'Angola et du Congo. Je ne suis pas bon en géographie. Donc, je ne sais pas si l'Angola est frontalier au Congo, Kinshasa. Voilà. Voilà. Et puis la boule a explosé. Et quand la boule du feu a explosé, il a crié, Seigneur Jésus-Christ, me voici qui vient à toi. Je demande mon esprit entre tes mains. Du coup, quand il a crié comme ça, il dit que son corps est tombé. Il a vu comment sa jambe s'est coupée et il a vu un chemin. Du coup, là, il est sorti de son corps. Il a vu un chemin qui était devant lui et puis il s'est mis à suivre le chemin là pendant qu'il courait. Pourquoi je donne le témoignage? Pendant qu'il courait, le chemin avait la lumière devant lui, mais derrière, il s'est regardé, il a dit qu'il a vu les ténèbres qui couraient pour l'arrêter. Aujourd'hui, je pense que je parle de l'avantage que Dieu t'a donné dans la lumière, pour que tu aies l'avantage sur les ténèbres qui veulent t'engloutir. Le prince du monde t'instruit. La mauvaise sémence qui est livrée aussi en train de grandir. Les ténèbres sont en train de grandir dans le monde. Et la Bible dit expressément que l'amour de plus grand nombre se refroidira parce que l'iniquité se sera accrue. Toi, chrétien, est-ce que tu es en train de croître à l'avantage, à la vitesse que Dieu t'a donnée? Ou bien tu es en train de ralentir dans ta vie chrétienne? Les ténèbres vont t'engloutir et puis l'amour de Dieu en toi va refroidir. Très clair. Donc, l'une des tactiques de l'ennemi pour te refroidir, ça sera la croissance forte des ténèbres, l'ascension fulgurante de la bête, sa force qui va jeter la vie de la lumière qui est en toi par terre. Donc il avance plus vite que tu n'avances. Pourquoi? Parce que les pasteurs n'ont plus la consécration, la parole de la crucifixion, le message là est mort. Pour avancer avec la vitesse de la lumière, les chrétiens obéissent à la vitesse de la lumière. Va regarder, va faire tes recherches, demande aux physiciens la vitesse de la lumière. Ils vont te donner une idée de la vitesse de la lumière. Jésus
Jésus-Christ est la lumière. Il a dit qu'on est la lumière du monde. Donc, on doit obéir à Christ à la vitesse de la lumière, qui est Christ lui-même, la lumière qui est venue dans le monde. Les enfants de Dieu ont une vitesse supérieure à l'obéissance. Dont le frère qu'on appelle Férusé, que j'ai vu de mes yeux, j'ai d'abord entendu son témoignage à Libreville 20 ans, 25 ans avant, et je n'avais pas douté. Et le Saint-Esprit m'a fait le voir à Vancouver, face à face, très clair. Toi qui doutes le témoignage, toi qui refuses de prendre l'avantage que le Saint-Esprit te donne, parce qu'il voit à quelle vitesse Satan est en train de te suivre. Il a changé de vitesse. Le Saint-Esprit te dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, dans cette course pour la vie éternelle, dans cette course pour le prix de la vocation céleste, je te donne aujourd'hui, reçois la révélation, reçois la prophétie, toi qui attends les portes, toi qui avances et qui soupires en l'entendant, Jésus dit qu'il te donne aujourd'hui la vitesse de l'obéissance de la lumière. Amen. Très clair. Il augmente ta vitesse d'obéissance. Il augmente le nombre de jours de jeûne. Il augmente, il ouvre les portes, les démons là qui te fatiguaient, qui te distrayaient, les démons qui t'arrêtaient derrière, ma soeur, sont tombés. Jésus les chasse maintenant dans la grâce éternelle. Il monte dans la gloire. Oh, alléluia. Le voilà qui le fera lever. S'il s'assoit, qui va lui dire lève-toi. S'il se lève, qui va lui dire de s'asseoir. C'est lui qui passe devant ta porte à la vitesse de l'éclair. Est-ce que tu peux lui obéir? Est-ce que tu peux le suivre? La Bible, le chant vient de dire que Jésus t'attend. Il t'attend à l'obéissance. Tu es en retard. Tu traînes derrière. Le faux prophète te souhaite. Il veut te rattraper. Le frère sien qu'on appelle Férusé. Voilà très clair que j'ai vu avec sa jambe coupée ici à Vancouver. Très clair. Il m'a parlé. Il m'a donné son témoignage. Donc quand il a vu le chemin devant lui, il y avait la lumière sur le chemin là. Et puis il commença à courir à la vitesse de la lumière. Parce que la vitesse qui le suivait, c'était la vitesse des ténèbres. Tu comprends? Donc il y a une vitesse d'obéissance dans la lumière. Il y a une vitesse de désobéissance dans les ténèbres. Oui, qui veulent engloutir l'église, qui veulent engloutir les chrétiens. La Bible a dit que dépouillez-vous du vieil homme. Le vieil homme vit à la vitesse de l'obéissance des ténèbres. Très clair. Maintenant, Christ, tu vas obéir à la vitesse de la lumière. Quand Paul était dans le camp des ténèbres, il obéissait avec la force des ténèbres et il courait pour désobéir avec la vitesse des ténèbres. Très clair. Mais quand il est venu en Christ, il a commencé à connaître l'obéissance à la vitesse de la lumière qui s'est manifestée à lui. Très clair. La manifestation de la lumière, de la force de Dieu qui t'éclaire, qui te donne la force éternelle. La parole de Dieu, c'est la lumière du monde. Donc on obéit et on veille par la lumière. On garde l'onction de l'Esprit de Dieu en marchant dans la lumière. Parce qu'on a la communion avec la lumière. La force de l'Esprit de Dieu qui nous fait avancer. La force motrice, c'est la force qui donne la force du moteur de l'église. La force de la locomotive qui tire, voilà, les wagons du train. Vous pouvez être 1 million de wagons, la locomotive va vous tirer. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux suivre la locomotive? Mon frère, est-ce que toi, wagon, tu peux aller suivre la locomotive à sa vitesse? Laisse-toi aller. Jésus-Christ ouvre les portes de l'obéissance. La vitesse de l'obéissance est très importante pour quelqu'un qui veut marcher et connaître la grâce de Dieu, la victoire de Dieu, la vitesse de l'obéissance. Quand Jacob prenait la bénédiction des aïeux, il est en train d'obéir à la vitesse de l'obéissance de la lumière, qui est la parole de Dieu, très clair. Donc Jésus dit qu'il va te donner aujourd'hui la vitesse de l'obéissance. Les démons là qui t'amènent à parler, à délibérer avant d'obéir, il n'y a plus le temps pour la délibération. C'est la nouvelle nature. Tu es conduit maintenant comme un courant d'eau entre les mains de l'Éternel. Ton cœur
pas seulement pour faire. Ce n'est plus que Dieu a dit que je ne vais pas faire. C'est maintenant que Dieu fait en toi. Si tu n'es pas dans la vitesse d'obéissance là, les ténèbres vont t'arrêter. Ce n'est plus le temps de calculer. Mon frère, ma soeur, c'est le temps de tomber le premier à l'eau. La Bible dit que c'est le premier qui va tomber dans l'eau, qui va être guéri. Voilà. Maintenant, l'eau de la parole est agitée. Est-ce que tu peux tomber dans l'eau sans calculer, sans craindre? Oui, entrer dans l'eau, te jeter dans l'eau. Alors, l'obéissance de l'eau de la parole. Très clair, ma soeur, mon frère, tu comprends donc que tu as besoin de travailler et de marcher avec Dieu à la vitesse de la lumière. C'est la vitesse de l'obéissance de Jésus. Beaucoup de satanistes qui ont vu Jésus combattre, je ne vais pas donner le nom de l'un d'eux, il dit que sur le pont d'Edéa, très clair, il a vu Satan combattre, il a vu Jésus combattre, très clair. Les satanistes, Satan était de l'autre côté pour faire renverser une voiture dans laquelle cet ancien sataniste se trouvait. Et puis Jésus venait pour le sauver, il dit que Satan était de l'autre côté, il avait déjà neutralisé le chauffeur, et si le chauffeur continuait sur le chemin là, il tombait dans l'eau, parce que le diable avait préparé qu'il tombe dans l'eau pour qu'on l'enlève en Inde pour le guérir. Et il dit qu'à un moment donné, il a entendu un grondement de tonnerre. Il a vu l'éclair, la lumière, pam, pam, c'est tout ce qu'il avait vu. Et les démons sont tombés, les démons qui étaient féroces, qui étaient venus avec Satan pour le combattre, pour enlever son corps. Et il y a eu un combat violent entre les démons et les anges. Les démons sont tombés dans l'eau, Satan a disparu et la voiture a pris la route. Le chauffeur dit que je ne comprends pas ce qui se passe depuis qu'on a quitté Douala. Il se passe quelque chose de terrible. Je te parle de la puissance de la lumière, la puissance de l'obéissance dans la lumière. Satan te suit avec une colère terrible. Il veut t'arrêter. Il veut te prendre. Est-ce que tu vas te laisser conduire par Christ ou bien tu vas continuer à croire que tu es du monde? Est-ce que tu vas abandonner le sang de la terre pour t'attacher au sang du ciel? Je me rappelle encore de ces rêves que j'avais eu beaucoup de fois, qui a insisté maintes fois sur plusieurs facettes. J'étais en train de quelque part et puis je me suis retrouvé dans un endroit où il y avait comme du cristal, la prospérité, l'or et tout ça. Et puis j'avais peur, je n'étais pas à l'aise. Immédiatement, j'ai commencé à courir. Pendant que je courais, il y a quelqu'un qui a commencé à me suivre terriblement. Je sais que c'était l'ennemi. Il me suivait avec sa dernière et son dernier souffle. Il m'arrêtait déjà. Il tendait la main pour m'arrêter. Donc, je peux dire que sa main frôlait déjà presque mes vêtements. Il courait avec la dernière énergie comme si c'était la seule chose qui lui restait dans l'existence. C'est comme s'il me perdait, il devait être l'homme le plus maudit, malheureux. C'est comme s'il fallait qu'il m'obtienne pour que sa vie change, pour qu'il soit délivré peut-être du feu éternel. Je peux mettre ça comme ça, tellement il me suivait avec une fureur, une rage que je n'ai pas encore vue. Et au moment où je ne pouvais plus, j'ai seulement dit: Seigneur Jésus, je te donne tout, prends pitié de moi. Maintenant, j'ai commencé à voir comment je montais au ciel, comment je montais. Et quand je montais au ciel, il est resté derrière moi. Il était très déçu. Il fait: waouh, ça, il est parti. Ouais, voilà, très clair. Je vois aujourd'hui, c'est la vie du monde, c'est la vie du péché, c'est la vie de la chair, c'est la vie du monde qui te tient lié, la loi du péché, l'or là et tout ça. C'est la vie du monde, la prospérité, maman, le Dieu de ce monde qui va arrêter beaucoup de personnes. Donc, que le Seigneur te dise: est-ce que tu es dans le sang du ciel? Très clair. Pour le vaincre, je vous ai donné un autre rêve où j'avais eu, c'est pour ça que je vous dis que le rêve est venu sur plusieurs facettes. Un autre rêve, j'avais eu le rêve qu'il y avait un homme fort qui me tenait. Il était fort. Quand il me tenait, il tenait mon âme. Et je ne pouvais même pas bouger mes paupières dans le rêve-là. Et tellement quand il me tenait, mon corps était comme le fer. Parce qu'il avait une force terrible. Donc je ne pouvais même pas bouger mes yeux comme ça. Je vais dire mes paupières. Très clair. Et puis à un moment donné, j'étais sûr que je suis fini. Et dans ma pensée, je dis: ouais, Seigneur, le sang précieux de Jésus. Quand j'ai dit le sang précieux de Jésus,
dans le... J'ai senti comment il a été désarmé. Sa main est faiblie. C'est faiblie. Ses bras sont faibles. Il m'a laissé. J'ai commencé encore à marcher. Alors qu'au début, quand il m'avait arrêté, j'étais devenu comme une statue de fer. Je parlais du sang du ciel, le sang de Jésus. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de Jésus. Je parle de l'obéissance qui est dans le sang de Jésus. Est-ce que tu obéis à la vitesse de la parole, à la vitesse de la lumière, qui est la parole de Dieu, qui a été manifestée en chair? Et puis la Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, donc d'obéir, de dépasser le diable dans la course, très clair, à la croissance spirituelle, dont les ténèbres veulent croire que spirituel, croit spirituellement, c'est-à-dire que la vie de la chair croit spirituellement et domine spirituellement dans la sphère du monde. Et le Seigneur Jésus dit que je vous donne une vitesse spirituelle supérieure à laquelle vous allez vaincre le diable. Donc vous allez être distingué. Il ne vous verra plus. Ils vont vous faire la guerre. Ils vont vous suivre. Je vais les aveugler très clair dans le frère qu'on appelle le Sungi Mbula. Pas le Sungi Mbula, Férouzé. Dès qu'il a vu un chemin, quand il est mort, le chemin là était devant lui. Il y avait la lumière. Il a commencé à courir, 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 courir. Et puis maintenant, il a regardé derrière. Il a vu comment les ténèbres venaient pour le prendre. Et il courait avec sa dernière force. Il est arrivé à l'entrée d'une grande ville. Et quand il est arrivé à l'entrée de la grande ville, il a vu un homme brillant comme le soleil qu'il attendait. Et puis il voulait lever. Il est tombé à genoux devant l'homme là. Boum! Parce qu'il n'avait plus de force. Et puis l'homme là, il voulait lever ses yeux pour voir l'homme là. L'homme là ne lui permettait pas de lever ses yeux parce qu'un pécheur ne va pas voir la face de Dieu. Et puis l'homme là ne lui a pas permis. Après, il dit qu'il a remarqué que les larmes coulaient des yeux de l'homme là et mouillaient les pieds de l'homme là. Il voyait seulement les pieds de cet homme là. Et puis les larmes coulaient, tombaient sur les pieds de cet homme. Après, l'homme là lui a demandé, il pleurait, l'homme là pleurait, l'homme là lui a demandé, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Et qui t'a appelé? Il a dit, oh, Seigneur, je suis venu ici parce que je suis mort dans le monde et puis je t'ai appelé. Jésus lui a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Le frère là, quand je lui parle souvent, un moment il m'a invité, il m'a visité à Montréal. À chaque fois que je le vois, je pleure et je rends gloire à Dieu. Je lui dis que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Jésus est vainqueur. Les gens qui s'amusent avec le Fils de Dieu pour l'argent, pour maman, pour la famille de la terre, pour l'éducation, tu prends ta pensée pour penser au monde, aux choses de la terre, au lieu de monter par la force du sang qui te déconnecte de la loi de gravité de ce monde pour t'attacher au ciel. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, les gens qui ne décollent jamais. Parfois tu as les rêves, tu avais un frère, les soeurs, vous ratez l'avion parce qu'ils ne veulent pas décoller. Très clair, ils sont là, ils tournent autour, ils ne veulent pas prendre l'avion. Mon enfant, ma femme, mon mari, ma maison, mon truc, mon diplôme, tout ça, ils ne décollent pas. Jésus attend et puis les ténèbres avancent. Donc, quand Jésus dit à ses frères, Férouzé, il lui dit que moi je ne t'ai pas appelé, et puis c'est la mort qui vient de te frapper, ça ne vient pas de moi, ça vient de ton père, le diable. Vous là, quand vous êtes sur la terre, vous avez les Bibles à la maison, vous ne lisez pas, voilà, vous ne faites rien, vous faites semblant de m'obéir. Maintenant tu n'es pas sauvé, ton temps est fêlé, c'est le diable qui vient de te frapper, je vais te laisser rentrer à la maison, et rentre là-bas, va dire aux gens du monde que ce que je veux, ce n'est pas qu'ils périssent, c'est qu'ils se repentent et qu'ils croient à la vérité. Très clair, le temps que mon père a donné est très court. Mon frère, est-ce que Satan va te l'attraper? Voilà, je vais donner le témoignage parce qu'il y a les ténèbres qui venaient pour le rattraper. Est-ce que l'avantage que Dieu t'a donné, tu vas savoir comment courir au point de ne pas laisser les ténèbres te rattraper? Mon frère, ma soeur, regarde que c'est l'esprit qui commence à te parler maintenant. Qu'est-ce que tu fais de l'avantage de la lumière? La lumière, Jésus dit aux pharisiens que la lumière encore avec vous pour un peu de temps. Très clair. Qu'est-ce que tu fais avec la lumière, mon frère? Oh, alléluia. Avance vers la lumière. Les ténèbres courent. Regardez le frère, il a couru.
Et il a exploité l'avantage que Jésus lui avait donné jusqu'à la fin. Donc, s'il ne courait pas, les ténèbres le prenaient. Jésus l'attendait. Tout à l'heure, le Saint-Esprit qui connaît la prédication, parce que le témoignage que je donne n'est pas prémédité, qui connaît la prédication, a donné la loi en disant que Jésus t'attend. Jésus t'attend. Tu vois très clair, Jésus t'attend. Et on parlait de la vitesse de l'obéissance. L'avantage sur la lumière, l'obéissance à la vitesse de la lumière. Donc, il obéissait à la vitesse de la lumière qui l'attirait vers l'éternité. Le monde entier est dans les ténèbres. Qu'est-ce que tu fais encore dans les ténèbres? On va jeter un coup d'œil rapidement dans la parole de Dieu. On passe à l'exemple pratique dans les Écritures. Très clair, dans le livre de 1 Rois, chapitre 13. Le chrétien n'est pas faible, hein? Il n'est jamais faible. Il n'est pas fatigué parce que le chrétien n'est pas l'homme naturel. Le chrétien, lui, c'est celui qui veut dans le cœur, donc tu ne m'as jamais connu. Tu vois seulement mon visage, mon frère, ma soeur. Je vais dans le cœur avec Christ. Là où il est, c'est mon cœur. Voilà très clair. Si ton cœur est en bon état, voilà très clair. Tout ton être entier va être en bon état. Si ton cœur est affecté, la Bible dit que quand tu écoutes la parole, les soucis et les inquiétudes viennent l'étouffer dans ton cœur. Tu ne peux pas être fort. C'est terminé. Beaucoup sont en enfer à cause des inquiétudes du monde et des soucis. La parole n'entre pas en eux. Ils écoutent et puis continuent leur vie. Pourquoi la parole n'entre pas? Pourquoi ils ne mettent pas en pratique? Pourquoi ils se bornent à ne pas mettre en pratique? Parce qu'ils ont la vie du monde, la vie des ténèbres, la vie de la chair, la loi du péché et de la mort. Et l'avantage que Jésus venait de leur donner, ils ne peuvent pas l'exploiter. Jésus dit que beaucoup écoutent la parole avec un bon, avec une bonne attitude. Ils disent amen. Alléluia, mais il manque des racines en eux-mêmes. Très clair. Donc les ténèbres vont croître et puis les ténèbres vont l'arrêter. Donc l'ivraie qui est en eux, qui n'a pas été crucifié, voilà, va pousser, pousser, pousser. Et puis va prendre le dessus. Donc la croissance de l'ivraie va être plus rapide que la croissance de la parole de Dieu, qui est la vraie sémence. Après, c'est terminé. Le frère la sombre. Bon, tu ne vois plus rien. Tu dis, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus dit que non, il a échoué dans la croissance, dans la vitesse de la croissance de la lumière. L'obéissance à la vitesse de la lumière. Il n'a pas pu avoir ça. Et les ténèbres qui grandissaient dans le monde ont éteint le feu de l'esprit. Hein, les chrétiens, ils sont refroidis. Très clair. Tu vas lui confier une mission que tu es responsable de la cellule de prière. Voilà, tu vas revenir un mois après, tout est mort. À la prière, Jésus, ah ben, Seigneur, et le truc, il n'y a pas de force, il n'y a pas d'esprit. La Bible parle des hommes sensuels, ils ne touchent plus le cœur, il est corrompu, les ténèbres ont grandi, l'ivraie ont grandi. Voilà, à toi tout fait. Donc, quand le maître vient, il dit qu'il n'y a plus d'église, Satan a pris contrôle. Quel était leur péché? Ils ont échoué dans l'obéissance, à grandir, à croître en Christ. Quand tu obéis, plus vite que la croissance des ténèbres, tu grandis et tu as la statue de Christ et tu vas marcher au milieu des ténèbres. Tu vas les affronter même parce que tu as déjà reçu la couronne de Christ. Maintenant, tu te tournes pour les assujetter. Voilà, Christ te donne la victoire. Le frère là a vu Christ. Jésus l'a renvoyé et maintenant, il est pasteur à Montréal. Très clair. Donc, tu écoutes comment Christ t'attend. Tu n'es pas capable d'obéir. Tu es encore toute personne. Je répète. Et je répète encore, qui pense à une chose de la terre n'est pas agréable à Dieu. Jésus a dit à une sœur, je ne sais pas si elle veut passer au message, hein, parce que mon temps, ça fait 28 minutes, je devais lire 1 Roi 13. Jésus a dit à une sœur qui s'appelle Margaret, amoureuse au Nigeria, elle a amené la sœur au ciel. Et Jésus a dit que les gens qui sont occupés comme Marthe ne sont pas agréables à mes yeux. Les Marthe occupés avec les problèmes du monde, tout ça, tu n'es pas agréable à Dieu. Et quand tu comme ça, je sais que tu ne parles nulle part, tu ne peux pas me mentir, tu ne peux pas mentir à l'Esprit de Dieu, tu ne seras jamais consacré, Dieu ne va jamais te donner une véritable responsabilité, parce que ça va mourir, ça va échouer, tu n'as pas l'esprit, tu n'as pas la force. Quand la prière commence, tu vois bien comment le moteur là est lourd. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus de quoi? Tu vis pour Jésus, tu as l'onction de l'Esprit de Dieu,
Quand il n'y a pas la lumière, tu apportes la lumière. La Bible dit dans Ésaïe 58, parfois l'esprit ne laisse pas que de ne pas prêcher ce que je voulais dire de l'autre côté pour montrer dans 1 roi 13 comment le faux prophète va attraper le jeune prophète avec l'ivraie, avec la croissance de la vitesse, de la, avec la croissance de la désobéissance qui est dans les ténèbres. Il va le rattraper très clair et rapidement et il va le tuer en route très clair parce que le jeune prophète n'a pas réussi à saisir la vitesse de la lumière très clair de l'obéissance à Dieu par la parole qui est la lumière du monde. Ésaïe 58, le verset 12 dit que les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. On parle des gens qui jeûnent pour saisir la vitesse de l'obéissance de la lumière. Très clair, c'est-à-dire que quand Jésus pense comme ça, il est déjà avec la pensée de Christ rapidement. Très clair, quand Jésus pense comme ça, il est déjà là-bas. Il pense avec la pensée de Christ, il vit par la vie de Christ, il ne copie plus Dieu, il ne dit plus que la Bible dit que pour aller faire avec le sang du péché, mais il est fait par la vie de Jésus. Il croit que l'obéissance là est possible parce que Jésus a dit qu'il va te donner un nouveau cœur. Ézéchiel 36, verset 25 à 27, il dit qu'il va te donner un nouveau cœur, un nouvel esprit. Il dit qu'il va faire en sorte que tu obéisses à ses commandements. Il dit que celui qui me mange vivra par moi et que si vous ne me mangez pas, vous n'avez pas la vie en vous-même. Donc on vit par lui. Voilà l'obéissance qu'il recherche. Il comprend que si le prince du monde continue à le suivre à la vitesse, il est terminé. Donc il veut obéir avec la vie de Jésus, avec le sang du ciel. Il veut obéir avec la lumière du monde qui est la parole de Dieu. Il veut vaincre les ténèbres avec la lumière du monde. Il ne s'amuse pas. Il n'a que ça dans sa vie. Toi, tu n'auras pas ça parce que tu as les idoles. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu comprends? Tu as les idoles. Après, tu vas croire que ce n'est pas possible. C'est possible de marcher avec la lumière de Dieu. Très clair. Partout, tu pars. La Bible dit dans Ésaïe 58, le verset 12, et les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu comprends? Ça veut dire que les tiens, ceux qui sont avec toi, qui attendent la lumière, qui comptent sur la lumière, qui obéissent avec la vie de la lumière, qui détestent les ténèbres, très clair, voilà, qui détestent la croissance de l'iniquité qui est dans le monde et qui se sont affectionnés à la croissance de l'obéissance pour la sainteté qui est dans le sang de l'Alliance éternelle et qui est dans la lumière. Ceux-là qui sont attachés à Christ rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ça veut dire que là où l'ivraie a cru, est monté et a étouffé la sainteté, là où l'évangile de la sainteté a été crucifié, là où les gens sont secs et puis n'ont pas d'eau, les fontaines sans eau, quand tu vas arriver, tu vas les arroser. Tu as la victoire, tu as la pardonne, tu as la grâce de Dieu, tu parles par le cœur, tu vis par le cœur. La maman ne peut pas t'arrêter. Les problèmes qui disent, tu les piétines, tu dis que ça ce n'est pas les problèmes, tu rétablis la véritable problématique, tu rétablis l'autel qui a été renversé, l'autel de la croix, l'autel du sacrifice de Jésus-Christ qui est mort pour annuler le règne des ténèbres, qui est mort pour annuler le règne de la désobéissance, qui est mort pour annuler la croissance délivrée dans la vie de l'Église. Il est mort pour enlever le péché. Il a jugé la chair avec ses passions, avec ses désirs. Donc l'ivraie ne croit pas dans l'Église. Là où tu es, tu vas rebâtir sur d'anciennes ruines, très clair, avec tes frères, avec tes soeurs, avec la cellule de prière, avec l'église. Ta parole que tu prêches, ce n'est pas le monde, c'est la parole de Dieu qui vient du ciel, qui enlève les cœurs du monde, très clair. Donc les cœurs sont attachés vers le Père. Voilà les personnes qui vont jeûner, voilà les personnes qui vont avoir cet espoir, c'est les personnes qui recherchent
la vie de la lumière à partir du jeûne dont dans Ésaïe 58, le Seigneur décrète le bénéfice du jeûne, le vrai jeûne. Il dit que si tu as jeûné comme le Père voulait, voilà ce que tu vas faire comme miracle. Les tiens vont rebâtir sur d'anciennes ruines. Voilà, tu relèveras les fondements intègres, très clairs. Donc les statues, les femmes que tu vas rencontrer, qui sont devenues comme la femme de l'autre, qui a regardé derrière, tu vas leur donner la vie encore, très clair. Ils vont regarder devant, très clair. Quand ils vont entendre la parole de Dieu, très clair. Tu as la vie, tu as la puissance, tu vas leur donner la vitesse sur l'obéissance. La vitesse de l'obéissance sur la vitesse de la désobéissance. La femme de l'autre a été rattrapée dans sa course par l'esprit de la désobéissance, par les ténèbres qui avancent, qui croissent. La Bible dit que parce que l'iniquité ce sera creux, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Donc tu vas arrêter ça, la croissance de l'ivraie, de la désobéissance, de l'iniquité. Tu connais le mystère de l'iniquité en ayant participé au mystère de Dieu, dont le mystère de Dieu est plus fort que le mystère de l'iniquité. Donc tu vas le stopper, très clair, Christ en toi, l'espérance de la gloire. Ceux qui vont stopper le mystère, la croissance du mystère de l'iniquité, vous voyez, le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, est capable de bloquer la croissance des ténèbres, très clair. La Bible dit ceci là, très clair, à partir de 2 Thessaloniciens, chapitre 2, la vitesse des ténèbres qui croient doit être très clair dans la chair et orchestrée par le Fils de la perdition. 2 Thessaloniciens 2, à partir du verset 3, que personne ne te séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée. Apostasie, ça veut dire que c'est un moment donné où on ne va plus croire que Dieu existe. Ce sera les personnes qui ont cru avant et qui après ne peuvent plus marcher dans la sanctification. Ils vont regarder derrière, ils ne peuvent pas avancer dans l'obéissance, ils ont refroidi, ils ne croient plus que le salut est possible. Très clair, ils sont tombés dans le piège de Mammon, très clair. Donc dans 2 Thessaloniciens, la Bible dit que ça va arriver. Pourquoi ça va arriver? Pourquoi ça va arriver chez toi? Pourquoi ça va passer à l'église? Mon frère, Jésus t'avise aujourd'hui, est-ce que tu es capable de saisir la lumière? La lumière du monde, voilà qui est venue vers les siens, et les siens l'ont rejeté. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir, voilà, de devenir enfants de Dieu, qui obéissent selon la lumière. 24, Matthieu 24, le verset 13 dit que, et parce que l'iniquité se sera accrue, et la charité d'un plus grand nombre refroidira, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc beaucoup commencent et puis vont refroidir. Pourquoi? Parce que l'antéchrist, qui est le maître du péché, va les rattraper avec le plaisir du monde. Très clair, les inquiétudes, les soucis, ils vont refroidir. Beaucoup de ministères qui ont commencé avec l'onction, avec la force. Vous voyez, le Saint-Esprit est fidèle. Quand je disais qu'au début de la prière, c'est la puissance de l'Esprit qui agit en moi, très clair. Donc l'Esprit va te conduire jusqu'à la fin du voyage, très clair. Vous voyez, voilà la prière qu'on a donnée dès le départ aujourd'hui. Et la louange corroborait ce qu'on est en train de prier et de chanter, très clair. Dans la vraie puissance de l'Esprit, ce n'est pas pour t'arrêter en route, c'est pour aller jusqu'à Canaan, étant premier vainqueur, très clair. Christ est vainqueur, mon frère, ma soeur, je refuse la faiblesse, je refuse les paroles de chocolat, les paroles sucrées, le lait spirituel. La Bible dit que vous qui deviez en effet être des maîtres, vous êtes devenus lents à croître dans la parole de Dieu. La Bible appelle à la croissance rapide dans le livre de 1 Pierre 2, que vous devez prendre le lait spirituel rapidement pour croître, parce que l'antéchrist marche contre vous. Donc aujourd'hui, l'apôtre Paul dit aux Corinthiens, quand je suis venu là-bas, je ne peux pas vous donner la nourriture solide parce que vous ne pouvez pas la porter, l'antéchrist, et parce que vous êtes charnel. Donc vous êtes déjà refroidi. Vous êtes à l'église, mais vous n'avez plus la passion pour Christ.
Vous avez perdu la vision. Vous avez perdu la vitesse de la lumière. Vous obéissiez. Qu'est-ce qui vous a empêché d'obéir? L'apôtre Paul dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Vous faisiez bien au départ. Qu'est-ce qui vous a fait regarder derrière la femme de Lot? Qu'est-ce qui t'a fait regarder derrière? Je m'en vais dans 2 Thessaloniciens 2 pour te montrer que le Saint-Esprit est capable de freiner l'ennemi qui avance parce qu'il a la vitesse de la lumière. Regardez, la Bible dit l'adversaire, afin que vous voyez paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà l'apostasie, très clair. Il va entrer à l'église avec un autre esprit, un autre sang dans ton cœur, dans ton âme. Il va te renverser, il va renverser ta passion pour Christ. Il t'a rattrapé. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'il te rattrape? Vous allez lire dans 1 Roi 13, vous allez voir comment le vieux prophète va venir pour rattraper le jeune prophète parce qu'il s'asseyait là très clair et il n'a pas bien capté la parole solide de la crucifixion. Le vieux prophète sous l'alliance et sous le ministère des ténèbres, de la vitesse des ténèbres, l'a rattrapé pendant le voyage. Ma soeur, tu es pèlerin pendant ce voyage terrible. Tu vas laisser que l'antéchrist te rattrape avec les soucis, avec les inquiétudes. Je ne prends aucun fardeau sur moi, ce n'est le fardeau de Christ. Je voyage à la vitesse lumière, je voyage en première classe dans l'avion de Christ, l'avion, la place du premier-né. Donc à l'avion, tu as la première place. Qu'est-ce que tu vas faire là-bas avec les avions qui n'ont pas la première place? Tu es dans la première vie avec Christ, le premier-né de toute la création. Tu vas rater le vol pour aller prendre un vol qui t'amène dans le feu éternel, ma soeur, mon frère. Oh, c'est l'heure de te réveiller, que tu comprennes que Christ t'attend. Tu es à toi au ciel avec lui. Ne regarde pas derrière. La Bible dit qu'il va entrer dans le temple se proclamant lui-même Dieu. Je lis ce verset pour que tu comprennes comment Dieu est capable d'arrêter la progression des ténèbres parce qu'il veut que tu partes rapidement. Et maintenant, il va lui demander de te suivre. Oui, il a le pouvoir là. Donc, il voit comment tu es là. Obéir. Et dit que fais vite parce que bientôt je vais donner l'ordre à la bête qui en abîme de sortir. Et puis beaucoup seront séduits, beaucoup seront attrapés, beaucoup seront refroidis, beaucoup de ministères vont tomber, beaucoup de pasteurs vont aller avec les sirènes, avec le plaisir de la chair, avec le découragement, avec le ministère de la lettre. Ils n'auront plus soif de l'eau vive, ils n'auront plus soif de la lumière du monde. Voilà qui est Christ. Ils n'auront plus le sel en eux. Alors que je leur ai dit qu'ils sont la lumière du monde. Voilà la Bible, Dieu, verset 5, 2 Thessaloniciens, 5, 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais avec vous? Voilà le point qui nous intéresse. Et maintenant, vous savez ce qui le retient afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Donc, il y a une force qui le retient. Bientôt, la force-là va être enlevée. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu peux courir? Le jeune prophète n'avait pas appris vite, il n'avait pas reçu la solidité pour résister à la séduction, à livrer à la mauvaise aimance, à la mauvaise vie, au mauvais plaisir, à la mauvaise richesse, à la mauvaise joie. Voilà très clair, au mauvais succès. Il n'avait pas appris que le succès du monde est un affront au succès de Dieu. Il n'avait pas appris que la joie de la chair est inimitié de la joie du ciel. Il n'avait pas vite appris. Et puis, les ténèbres l'ont arrêté. Combien sont les chrétiens jusqu'à maintenant? La bête va bientôt être relâchée pour venir faire les miracles que Dieu ne permettait pas qu'il fasse avant. Il va commencer à venir. Et beaucoup, il va se dire à cause du péché. Il va les prendre complètement parce qu'il croit encore que la joie du monde est de Dieu. Très clair, il prie encore pour ça. Ils attendent encore ça. Ils n'en veulent pas la grâce de souffrir. Philippiens 1, 29. La grâce de souffrir, dit un homme. Mais il veut la grâce pour prospérer dans le monde. Ce n'est pas de Dieu dont Jésus le freine. Tu regardes bien, très clair, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Donc,
Christ le freine pour te donner l'avantage. Qu'est-ce que tu vas faire de l'avantage là, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce que tu vas faire dans le livre d'Exode, chapitre 14? L'avantage que Dieu t'a donné, il te dit qu'il faut que tu saches que le prince du monde est après toi. Ne traîne pas dans l'obéissance. Très clair, obéis rapidement, demande la grâce de l'obéissance. Très clair, Exode chapitre 14, la Bible dit au verset 8, l'Éternel endissait le cœur de Pharaon, roi d'Égypte, et Pharaon poursuivait les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël étaient sortis la main levée. Très clair. Donc, là, vous voyez, le Seigneur leur a donné l'avantage, et puis Pharaon va les perdre. Donc, Dieu est capable de bloquer Pharaon, est capable de le laisser partir dans sa justice. La Bible dit qu'il avait bloqué Pharaon. Les enfants d'Israël sont sortis et maintenant il a relâché Pharaon pour que Pharaon les suive. Voilà ce qu'on entend par endisser le cœur. Dieu dit qu'il va éclater sa gloire dans la cour céleste. Mon frère, si tu vas persévérer jusqu'à la fin, mon frère, tu vas voir la gloire que tu ne peux pas commencer à comprendre. Mon frère, hey! Le roi de gloire, c'est lui qui commande la gloire. J'ai soif de voir la gloire de Dieu. Alléluia. Pas la gloire du monde, pas la gloire de maman, pas la gloire que les gens font. Je refuse toute gloire, tout prestige, toute richesse, toute connaissance du monde, tout ce que les yeux voient pour attendre la gloire incorruptible. Alléluia. La Bible dit que les Égyptiens, voilà, les poursuivirent et avec les chevaux. Tu vois la vitesse de l'ennemi qui te poursuit. Il a les chevaux, mais Christ est plus rapide. Christ au contrôle, Christ va annuler leur force. Ne crains pas d'entrer dans l'eau. Amen. Ne crains pas de te jeter à l'océan. C'est là-bas ta délivrance. Il va ouvrir la porte à la crucifixion. Quiconque se baptise est conforme à la mort de Christ, par laquelle il a vaincu l'esprit qui le souhaite, l'esprit de la désobéissance. La Bible dit que les Égyptiens les poursuivirent avec les chevaux, les chars de Pharaon. Voilà les cavaliers et son armée. Voilà, les Athéniens, ils les atteignent campés près de la mer, vers Pi Arira, vis-à-vis de Baal-Tsepor. Voilà, Pharaon approchait, les enfants d'Israël levaient les yeux, et voici les Égyptiens en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Très clair, est-ce que tu vas accepter de crier à l'Éternel? Tu as vu l'ennemi qui t'a poussé. Mon frère, ouvre ton micro. Ouvre ton micro, ma soeur, c'est l'heure d'ouvrir le micro. Ouvre le micro pour la prière. C'est l'heure de parler à Dieu maintenant. Oui, avec ton cœur, avec ton âme. Oui, l'avantage, l'obéissance. Oui, ma soeur, oui, mon frère, l'avantage que l'Esprit de Dieu te donne pour obéir. Parle à Dieu, Seigneur, je veux obéir à la vitesse de la lumière pour s'aimer l'ennemi, pour qu'il ne me voie plus, pour qu'il ne m'arrête pas. Seigneur, tu puisses. Je vais prendre l'avantage que tu m'as donné, sanctifier l'avantage de l'obéissance pour que je parte complètement, pour que je ne regarde pas derrière complètement. Seigneur Jésus Christ, je me déconnecte de tout ce que vient derrière. Je ne regarde pas derrière, je regarde devant. C'est l'heure de prière, c'est l'heure de prière. Demande la grâce de Dieu, c'est l'heure de prière. Ton cœur, le diable t'a poussé, le diable t'a échoué. Ma soeur, il va t'arrêter, mon frère, il va t'arrêter. Le refroidissement, la mort éternelle, demande la grâce à Dieu. Il t'a poussé, le prince du monde t'a poussé. Dans la vitesse de croisière, la vitesse de la lumière, Jésus t'attend, Jésus t'attend, Jésus va le mettre, Jésus. Jésus est plus rapide. Jésus est plus rapide à obéir. Accorde-toi avec Christ. Appelle-le, demande la grâce d'obéir. La grâce d'obéir. La grâce de souffrir. Avec Christ, c'est l'heure des prières.
Parle à Dieu, parle à Dieu. Le jeune, obéyez. Longtemps, vite, par le jeune. Le jeune va accélérer. Par le jeune, par la crucifixion. Parce que, mon frère, il n'y a pas de plus grande vitesse pour t'obéir que la crucifixion. La crucifixion de la chair, de Satan, des passions, des plaisirs. Voilà où il est vainqueur, mon frère, parce que c'est là de connaître que la croix de Christ est très claire. Au nom tout puissant de Jésus-Christ, voilà très clair, j'ai baissé le micro, malgré que vous êtes en train de prier. Voilà, donc il n'y a pas de plus grande vitesse d'obéissance que la crucifixion. Quand Pharaon suivait les enfants d'Israël, les enfants d'Israël qui sortaient du pays d'Égypte l'ont vaincu quand ils ont traversé la mer. Quand Pharaon arrivait dans la mer, qui est l'image de la crucifixion, parce que Christ a été baptisé dans l'eau. Donc dans l'eau, il a été enterré. C'est pas la crucifixion qui ne pourra plus. Il va être vaincu, mon frère, ma soeur. La Bible dit que si on est en conformité avec lui, par sa mort, ceux qui se baptisent sont en conformité avec Christ dans sa mort. Donc si tu as crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, c'est fini. Pour le diable, toute la mer là a été enterrée par la crucifixion. Donc, est-ce que tu vas prendre le raccourci? Tu vas prendre la vitesse par la crucifixion suisse. Si tu es en Suisse, tu nous appelles au 41-793-163-758. Je reprends en Suisse. Tu nous appelles au 41-793-163-758. En Russie, tu nous appelles au 79-684-791-179. Très clair, en Russie, tu nous appelles au 79-684-791-178. À Montréal, tu fais le 1-4-3-8-8-7-5-8-2-9-7. Si tu es à Vancouver, tu fais le 1-7-7-8-3-0-2-0-9-8-1. On ne dort plus. L'amour d'un plus grand nombre va se refroidir. La prophétie ici ne vient pas d'un homme, ça vient de la parole de Dieu. Donc, beaucoup vont se refroidir. Très clair. Ça peut être prévisible. Il y a des personnes que tu sais qu'ils ne peuvent pas diriger une cellule de prière. Ils n'ont pas la consécration. Très clair. Ça va s'éteindre. Ils ne peuvent pas porter des fruits. Tu vois? Parce que Dieu t'aide. Que Dieu t'aide. Écoute bien. Hein? Que Dieu t'aide. Le vrai chrétien vit pour Jésus et il apporte la lumière. Quelqu'un qui est sanctifié et qui est donné à Christ va toujours porter des fruits. Un vrai chrétien ne peut pas rester sans celui de prière. Un vrai chrétien ne peut pas rester sans celui de prière, sans gagner les âmes. Je parle plus aux hommes. Très clair, qui croise les bras, l'autre quelqu'un dit qu'il servait Jésus. Un vrai chrétien, mon frère, il a toujours sa cellule de prière. Quand Christ m'a appelé, j'avais toujours une cellule de prière. Tu ne peux pas voir la vie et puis tu ne portes pas les fruits. Tu mens, mon frère. Tu auras toujours une cellule qui va croître. Très clair, tu es là-bas, tu as l'onction royale de Christ pour rendre un ministère. Ce que tu as appris, s'il y a les gens qui attendent ce moment qu'on leur donne la position pour prêcher à l'église, le genre de prédication orgueilleuse. Très clair, il attend que le pasteur dise qu'il va prêcher. Si j'étais en tout cas pasteur dans les églises locales là-bas, je ne te donnerais même pas une seconde pour prêcher. Ce n'est pas une showbiz. Très clair, pour se montrer. On a besoin de connaître ta force motrice qui va réveiller les gens pour qu'ils comprennent qu'il y a le feu éternel et que Jésus attrape de temps. Très clair, ce n'est pas l'affinité. Parce que tu ris avec moi et puis je te fais prêcher. Ce n'est pas ça. Très clair, Jésus va nous juger sévèrement. Nous les pasteurs qui prenons les responsabilités à la place de l'Esprit de Dieu. Tu donnes la responsabilité à quelqu'un qui n'est pas sanctifié, qui est mort. Tu remarques bien que sa vie chrétienne est pourrie. Très clair, tu lui donnes la responsabilité. Tu lui donnes l'autel de Jésus-Christ. Le temps que Jésus a pour parler à son peuple, c'est le temps-là que tu prends pour montrer ton amitié à un homme. Que Dieu me pardonne, que je ne tombe pas dans le piège là.
que Dieu m'aide. Que Jésus m'aide, que je ne finisse pas étant refroidi. Au Cameroun, à 2, 3, 7, 1, le code 2, 3, 7, 1, 6, 7, 9, 1, 2, 0, 4, 2, 4. Les gens qui n'ont pas dans la vie, ils ne travaillent pas avec le cœur pour aider leurs frères. Le bon demain, ils sont assis, ils croisent les bras. Ils ont les titres, ils disent qu'ils ont les titres. Ils n'ont aucun titre, mon frère. C'est Jésus qui est mon titre. Skype, tu tapes Église de la vie éternelle. À Skype, tu tapes Église de la vie éternelle pour venir chercher ton éternité. Ne viens pas nous flatter pour être membre. Ça ne nous dit rien. On est en danger. Tu comprends? On ne veut pas être englouti par les ténèbres. On veut les personnes qui ont le cœur après l'éternité, qui comprennent qu'ils n'ont plus le temps. Tu as écouté le témoignage de Ferouzi. Tu connaissais à quelle vitesse il courait pour fuir les ténèbres, là. Tu connais comment obéir avec le dernier espoir. Il y a le frère qui est en enfer. Il dit que si tu entends la prière que les gens font en enfer, mon frère, avec le dernier espoir, la dernière, comme on dit, avec, comme ils disent en anglais, the last chance. Voilà, très clair, la manière dont ils prient. Là-bas, c'est terminé. Ils confessent leurs péchés, ils disent tout, il est de ses temps, pour l'éternité. Tu es là, tu as le temps, tu t'amuses avec le temps. Je dis que Jésus est mon ami, je ne suis pas ton ami. Tu t'es trompé de porte, hein. Tu t'es trompé, mon frère. Si tu ne veux pas marcher avec Christ, ma soeur, tu ne seras jamais enfant de Dieu. Messenger, Facebook, tu tapes Église de la vie éternelle. Je ne suis pas ton ami. Je ne t'ai jamais connu. On se connaît dans la parole de Dieu. Et on s'arrête dans la parole de Dieu. Voilà, que le Tout-Puissant te bénisse. Très clair. Après avoir parlé comme ça, ce qu'on attend de toi, c'est que tu te convertisses, que tu te réveilles, que tu exploites la grâce que Dieu t'a donnée au maximum pour que ta famille, avec tes contemporains, aille au ciel. Voilà tout ce qui était là, très clair. C'était tout ce que Jésus attendait pour toi, pour t'amener au ciel. Il ne veut pas que tu partes dans le feu éternel. C'est la réalité là qui ne doit pas mourir. Voilà la réalité que nous on creuse jour et jour. Pour que ça ne meure pas. Quand ça meurt, il y a beaucoup de choses qui viennent là. Non, la réalité, c'est elle qu'on garde. Très clair. Et quelqu'un qui a la réalité, là, peut prêcher seul. Il peut prêcher seul. J'ai déjà prêché seul, sans personne à l'église. J'ai déjà prêché seul, depuis le seul, il n'y avait personne. Très clair. Et j'ai enregistré ça et j'écoutais encore moi-même. Oui, ma soeur, je n'étais pas ton ami. Je ne suis pas venu pour la foule. J'étais venu pour aller au ciel. Je ne cherche pas le titre, ne m'en donnez pas. Il y a le feu éternel. Donc, voilà, on va s'arrêter ici. Que Dieu te bénisse et te donne le cœur d'un vrai chrétien. On dit tous Amen. 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 En passant, je vais arrêter ici.